Bonjour et bonsoir à tous. Nouveau test mystique Defender. Oh, son méga drive, putain, ça va être un truc de fou! Un truc de fou, hein. Putain, un truc de fou. Donc en fait, moi je trouve qu'il a beaucoup de références à beaucoup de jeux. Moi déjà, juste un mec qui fait des Kamehameha. Ah, ça me dit quelque chose, hein. Je sais pas. Peut-être sans beaucoup. Donc voilà, moi je trouve que ce jeu il est adapté de plein de choses comme Dragon Ball Z. Après on va avoir des bouts comme Indiana Jones, des bouddhistes aussi qui font de la Macarena. Donc moi je trouve que les développeurs faut pas casser le cul, hein. Regardez, hop, un Bouddha. Regardez lui, regardez là, il fait la Macarena. Ah, je le savais bien, hein. Hop, dans ton cul. Donc les méchants, je trouve qu'ils sont un peu pitoyables, des vers et des gros tas qui te balancent je sais pas quoi. Te balancent leur bouffe. Ah, c'est quoi ce truc là? Si on se concentre, enfin un bon caméra. Ah ouais. Donc ce jeu-là, franchement, je me suis pas intéressé vraiment, hein, parce que... Ah, oh, Batman. Franchement, je connaissais même pas du tout. J'ai pris un jeu, hein, je me suis dit, bon, bah, allez, comme ça fait super longtemps, on va faire un test, mais avec un jeu pourri, quoi. Oh, putain, je sais pas ce qui m'a... Cul, gros tas de merde. Je vais essayer de choper... Oh, putain. Oh, putain, mais ils apparaissent comme ça, hein. Non, tu peux pas s'en défendre. Oh, chier avec leur Macarena à la con. Ah, une chouïdame, elle me crache à la gueule. Ah. Oh, les méchants, ils sont vraiment de la merde, quoi. Ils sont obligés de te cracher dessus. Ah, c'est quoi ça? Tiens. Ah, t'es pitoyable comme mec. Ah, enculé, t'as tué Johnny. Allez, s'envole. Ah, putain. Ok, donc là, voilà. Je pensais que c'était Indiana Jones. Ah! Ah! Wouah, putain, digitation de fou! Kamea! Wouah, Dragon Ball Z! Wouah, putain, c'est vilain! Ah! On est sur la planète Namek! Mon compteur, je vois que j'ai plus de vie déjà. Ah, putain! Ah, mais c'est dégueulasse! Il y a Satan petit cœur, il se transforme en petite tête de merde. Pitié! Des papillons! Comme dans Sonic, ça, ils font très très. Transforme en vieille merde! Vache, putain, il fait peur le mec. Ses pouvoirs, il lance des papillons. Et je pense que les papillons font mal. Waouh, putain, ça c'est du pouvoir. Donc bah moi je trouve que ce jeu il est dans la limite du ridicule. Enfin, je trouve que déjà, le décor c'est super bien fait pour l'époque, pour les lives. Hein, et franchement, je trouve ça un peu culture. Bah, derrière, attends. Je veux dire que vous avez peur d'un mec qui balance des papillons, quoi. Putain! Oh, enculé! Eh, je peux même pas!
Tu peux pas faire le double saut? Ah! Ah, en plus on commence. Oh putain! Mais il me fait chier, je l'ai tué tout à l'heure là! Ah, cul de papillon! Ah, c'est chiant. Bon, bref. Oh putain! Mais c'est pas possible! Oh, truc de fou! Je sais pas comment j'ai fait ça! Je me concentre, je te balance de la merde, enculé! Aïe! Ok, j'ai pris le mauvais chemin en fait. On continue! Non, moi je vais pouvoir là. Comment j'ai fait pour avoir ce putain de pouvoir? C'est plus une machine le mec. C'est pitié, petit bébé là. Oh putain. Ah putain. Sérieux? Putain, mais les transformations de merde! Hop! Hop! Ha ha ha! Je vous ai bien niqué! Ah! Ah! Oh. Alors, je vous conseille, hein, si vous faites chier, bah. Ou si vous détestez les papillons. Oh putain, il est ennuyeux! C'est cool. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Je sais pas, c'est écrit en chinois, je sais pas voir le chinois. Mais c'est ma gueule. Et voilà. Oh putain, il me saoule ce jeu. Comment j'ai fait pour avoir le... Ah ok, c'est vrai. Putain, mais c'est un vrai labyrinthe. Le mec, c'est un lance-flamme intégré. Les papillons, je les encule, enculé! Ouais, hein, en fait, c'est de la vie. Ah! Ah! On va revenir, enculé. Ça se ma gueule. Oh putain. Oh putain, ça vient.
le jeu là. Tu te casses la gueule, tu me dis de recommencer comme un connard. Oh putain. Ah bon, après décision, je pense que je vais arriver. Hein. Ah, j'avais encore une vie. Ah. Je croyais que j'avais plus de vie, c'est pour ça que je commençais à m'énerver. Je me suis dit putain. Putain, ça enfoiré de mec. Oh non. Terminer cette vidéo par un échec total, mais vraiment pourri. Donc voilà, bah c'était Mystic Defender. Donc si vous voulez vous énerver sur ce jeu là, bah, je vous conseille. De toute façon, je vous conseille tous les jeux que je joue. C'est puéril et en plus, voilà, c'est vraiment catastrophique. T'es obligé de recommencer quand un putain de Shaolin te touche la gueule. Enfin bon. Bon bah sur ce, bonne soirée et puis bon jeu à tous. Allez, tchuss.